Je sais plus comment on joue Labs, les gars. J'ai du son ou pas sur moi? Ouais, j'ai tout ce qu'il me faut en fait. Mais y'a du stuff là? Je connais pas du tout le loot de Labs, hein. Je connais les grandes lignes, mais pas les petites lignes, quoi. Ça passe ça, tu crois, comme ça? Normalement, les gens qui jouent sur Labs, ils sont ultra vénères, non? J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus vénères que moi, quoi. Donc, toute la game se passe ici, normalement. Violette. Bon, on sait qu'il y a des gamers au moins. Je crois qu'il y a rien là-dedans. Non, c'est ça. Ici non plus. Qui est sûr que celui-ci il est pas worth niveau espace? On est 3 x 4. Oh, il est un peu worth quand même. Ah, voilà le 4. Ah bah tiens, ophtalmoscope. Je crois que ça c'est worth comme ceci. Ça, on dirait un chargeur de la poids. Peut-être qu'il y aura des AP dedans. On va essayer de le prendre. Sur un malentendu, c'est des AP, quoi. Ouais, tu vois, ça vaut quand même la peine, je trouve. Bah, je connais pas la raid ici. Ça vaut de l'argent. Ça aussi. Ça aussi. Si je dis pas de conneries. Ça vaut la peine de faire les ordis pour des GPU et tout. Je pourrais me faire chier à faire tous les ordis parce qu'il y en a beaucoup sur Labs. Hein. Et les ordis, c'est un bon plan quand même. Le chat, le shatter, ils vont à combien? Il est pas à 100k, lui, il est genre à... C'est pas genre 30k, c'est un truc comme ça? Le shatter de face mask. Des raiders en fait, je pensais que c'était des gamers. C'est con, j'aurais bien voulu aller faire yellow, mais. Bon, à la con ou pas de chat ici? Ouais, et c'est là que j'aurais bien avoir un petit Valdé ou un truc comme ça. Parce que là, je vois que dalle. Je pense qu'on peut aller se risquer de faire le coffre. Pourquoi avoir tiré sur la 8 pour pouvoir passer? Juste pour ça. J'ai cru entendre un sprint à droite en plus de celui à gauche. Sinon die quoi. Là où moi je suis très lent, c'est pour choisir les keycards quoi. Quand il faut sélectionner black, red, green, tout ça. Toujours un peu à la ramasse. No, hello death. No, what's it to be? Voilà, faire ça. Je crois qu'il y a un gamer qui m'a lancé une grenade, chat. Je crois qu'il est là. Hein. Hello, sir! Ça. Il avait lancé une grenade ici avant, il a ouvert la porte et je l'ai entendu reculer. Et tu recules pas comme ça si tu veux pas lancer une grenade. Donc à mon avis le mec il voulait juste lancer une grenade parce que c'est un easy kill à la grenade ici. Et je me suis dit je vais attendre qu'il fasse un move style grenade. Et il a reculé et j'ai cru entendre le je l'équipe mais pas encore je la dégoupille. Bah du coup on a un plus grand sac, ça c'est cool. On va pouvoir aller faire green. Ah, il faut que j'aille là d'ailleurs, ah, j'ai oublié.
J'ai les composants pour acheter la black, mais j'arrive pas à avoir le trade. Alors ce qu'on va faire les gars, on va faire la technique de la chèvre empoisonnée, mais... Ok. Je suis vraiment content d'avoir chopé un grand sac parce que j'ai pas pris le mien. Je me suis dit ouais, je vais aller avec un trizip tranquillou et tout. Ah, on a chopé une chouette arme en plus. On va faire les deux raiders. Attends, qu'est-ce qu'on avait comme... 5-5. Mais comment il fait pour me viser en fait avec ça? Parce qu'il voit rien là. Ah, c'est limite quand même. Bah, c'est bien, c'est que là-dessus on pourra mettre plein de mods. Ça je voulais les loot en dernier parce que ça c'est le moins important quoi. La yellow est beaucoup plus importante que ça. Ouais, sordine ça vaut rien mais je l'aime bien. Je crois que le RFB il a un peu de valeur quand même. On a quoi comme balle là-dedans? 62 mais yes en fait, juste yes quoi. On commence à avoir le pas lourd hein les gars, on commence à avoir le pas bien lourd. À mon avis tout aurait été fait de fond en comble mais... Pour être sûr il faut le faire soi-même. Ah ah, tout n'a pas été fait. Nous avons récupéré 20k ici les gars. On a black, on a green, et green c'est au-dessus de black. A mon avis là il reste que des raiders. Des raiders ça peut être plus dangereux que des joueurs quoi. Ce qu'il y a c'est que j'ai pas encore fait les rooms que je voulais faire. Hein. Bien sûr. Ah mais... J'avais... Ok, ça c'est marrant, j'avais les yeux focus tellement par terre que j'ai pas vu le truc qui était énorme sur la caisse quoi. C'était le caloc, on s'en fout. Ouais donc il y a du stuff en fait hein. Pas deg labs en termes de loot, c'est pas deg quoi. Je savais même pas qu'il pouvait y avoir des tech spawns dans green. Pour vous dire combien, ça fait combien de temps que je l'ai pas joué quoi. Je sais qu'il y a des spawns de ledex aussi un peu partout dans les différentes boîtes. Pour info les gars, quand vous connaissez pas les spawns sur une map, c'est comme ça que vous lootez hein. Vous mettez votre viseur quelque part et quand il y a un petit point blanc en fait, oh. Et puis vous ramassez l'objet quoi. Bon, est-ce que j'ose faire le bureau du directeur les gars? Déjà, surtout, avant toute chose... En fait, à un moment, il y a des raiders qui vont spawn. Voilà, il y a un objet là. Blood 7. Blood 7, ça vaut que dalle, les gars. Ne le ramassez jamais. C'est bien en début de wipe, mais là, maintenant, dans l'immédiat, ça vaut que dalle. Ça, c'est ma quête. Ah, dégage. Tu reviens. P22. Nickel. Extract et reviens. Prends pas de risque. Mieux vaut avoir 100% de rien du tout. 50% de quelque chose. Bad decisions make good stories. Ah, ça, vous allez me la sortir très souvent. Ah, mais c'est déjà allumé, chat. On aurait juste pu cliquer sur l'ascenseur. Ascenseur. J'appelle l'ascenseur. Il y a un usage sur mes keycards. Seulement celle-là et celle-là. Celle-là, non. On a même pas fait les weapon texting area et tout ça, les gars. On a rien fait, quoi. On a oublié de looter plein de trucs. Bah, c'est pas grave, on a un peu de cash, quoi, quand même. C'est cool. C'est pas le raid à 1 million, mais c'est le raid à quelques rooms, quand même. Il est caché derrière le micro, mais tu le vois là. Et juste ici au-dessus, c'est un bitcoin, là aussi. Et là, c'est un horse. Horse, bitcoin, edex. Empty raid. Je me demande ce qui te fait dire ça. Parce que j'aurais tendance à croire que non, justement. Si j'étais un algorithme de matchmaking, je laisserais pas quelqu'un aller dans un raid vide aussi rapidement. Je sais pas pourquoi, je trust mes 1000%. On a pas de soin, putain, on a pas de soin, chat. Falloir soigner à l'ancienne, quoi. C'est vraiment la grosse connerie, quoi. On va aller chercher du soin en bas, on va revenir en arrière. Le demeurer quoi, ça c'est quand même incroyable. Ça c'est quand même incroyable. Alors, si je dis pas de conneries, il y a des trucs ici aussi. Ouais, c'est pas vide. Bon, ici il y a pas mal de med spawn. Généralement, il n'y a pas la green keycard, il y a des soins. Et s'ils ont oublié les soins, ils se sont trompés. Ouais, ils ont oublié mes soins. Et ils se battaient contre le. Les raiders là. Secteur G c'est le... Ah bah voilà, on commence là. Secteur G c'est en dessous hein, c'est ça hein. Il m'a entendu mais il sait pas où je suis. J'aimerais bien avoir un soin avant de me fighter, j'ai vraiment pas envie de me fighter sans soin quoi. Juste un petit saléwa ou un truc, tu vois, vraiment le strict minimum quoi. C'est trop con, ce serait trop con de choper un FBB et de crever à cause de ça quoi. Ah, ça c'est lequel?
C'est le garage? Je suis pas censé voir les extracts déjà. Whatever. Bon, j'ai pas de soin. On va essayer de le jouer sans soin. Bonsoir. Ok, il a restep juste derrière. Allez, le petit grizzly comme là tantôt et on en parle plus quoi. Putain, mais c'est une blague. Allez quoi, donne-moi un truc. Mais ce scam sur le soin quoi. De toute façon, si c'est pour se faire red eyes, c'est pas hyper important d'avoir du soin, mais quand même. Par principe. Faut aller prendre la température à green. In memoriam. Faut les couilles sur ça. Green, c'est la deuxième, hein, je dis pas de conneries. Non, ça, quatrième. On va faire genre, c'est fermé. Il peut y avoir du stuff par terre, partout quoi. Attends toi, qu'est-ce qu'on est parti? On a eu un iridium. Un ophtalmo et un lion, c'est ça? Ah ouais. Bonsoir, comment tu vas? Il y a un mec qui a l'air de jouer, imagine des raiders. Bon là c'est déjà beaucoup moins précaire au niveau du soin. Non, je l'ai fait en inroid. Toutes mes keycards, je les ai fait en inroid. La green et la yellow et la violette. La seule que je vais trade, c'est la. La black. Mais sans grande surprise, j'arrive pas à avoir le trade quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais prendre la température en bas. Je suis en train de me balader comme si j'étais seul, j'aimerais pas faire ça. Hein. J'imagine que s'il est ouvert le centre, il est ouvert celle-ci. Ouais, ok. Ouais, ok. On peut. En fait, non, on va aller faire yellow et truc, je suis con. Yellow, elle est pas mal aussi. Franchement, yellow. Elle est à 300k et tu te la refais en main raid quoi. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je trouve que yellow elle est top tier quoi. Alors que la green... C'est quoi, je vais même prendre... Je vais comme un DB... C'est moi où il y a un... Il y a clairement un scav qui a gueulé là. C'est hyper perturbant. Là j'ai entendu un raider gueuler ouais. Mais j'ai pas entendu ce qu'il a dit quoi. Il est juste à gauche. En fait ce que j'aime pas... Avec les raiders, c'est que. A mon avis, il est au-dessus, mais. Take this, you motherfuckers. Ouais. Putain! Ah, ça aurait pu être pire quoi. Attendez les gars, on va faire ça. Sur une échelle de 1 à 10, combien c'est foireux ce qu'on fait là? C'est pas trop deg hein. Je me dis je vais cliquer sur 5 et laisser le jeu décider. J'aurais bien voulu qu'il fasse cette maquette tête avant. Il y a un mec qui a pété du verre derrière moi. C'est lointain et en même temps, je vois pas ces gens. Ils doivent être managers office, un truc comme ça? Deux, putain. Le PGM de service est sorti quoi. Je suis retourné un autre par là-bas. Je sais pas s'il joue bien les raiders, genre si je le push il va me pré-fire et tout. Ah il se soigne. Rentrer ici normalement? Ah, c'est là. Sur mes balles. Ah oui, j'ai plus de balles quoi. On en est là, chat. Ok. On va juste faire le micro-ménage. Va falloir quand même que je choisisse un flingue parce qu'il me reste genre. Que dalle quoi. C'est un gamer ça. Okay.
On va prendre le risque, on va passer ici. J'ai pas envie de me faire backstab par un raider. Alors qu'il y a un gamer juste là. Je pense que le raider il est en haut quoi. On l'a vu, il est là dedans. Oh, dis-moi que t'as du... Oh là là là, la techa. La full techa. Puis lui, il aura des balles pour Gilou. C'est sûr, à 100% quoi. Il aura des balles pour Gilou. Hop, Emily. Ok, on fera avec Emily, tant pis. On va garder son gun. Je pense qu'on va garder son gun pour l'instant. Quoi, à part la RK3, je m'en bats un peu les couilles. Hein. On va faire ça. Ça et ça. Ah, les deux tipotes. Putain, mais ça, c'est top tier. Comment il était aussi passif? J'ai juste pré-fire, hein. C'est pas sa faute, quoi. J'ai tiré avant qu'il me voie. Encore deux mecs là au-dessus. Bien en surpoids. Je crois qu'il time les gars. J'entends pas mal de steps. Ce que j'aime pas avec les raiders, c'est que c'est des IA, tu vois. Et il y a un truc, je suis sûr que je suis pas le seul à être dans cette situation, mais... Quand t'as... imagine, là, il y a un raider ici derrière. Accent circonflexe, accent circonflexe. Lui, il te voit super bien, parce qu'il voit à travers les feuilles facilement. Bro, il est juste là au-dessus, quoi. Quelque part là au-dessus ou là-devant. J'ai pas envie de les jouer comme un dératé. Où est-ce que je vais sortir? Est-ce qu'il me reste des trucs à faire? Est-ce que j'ai fait tous les mecs que j'ai tués? J'ai pas envie de tuer ces deux-là, parce que j'ai pas envie de me prendre une balle comme un débile. Ouais, bon, allez, vas-y, vous me rendez fou, les gars. Greed is good, quoi. On va faire le coffre en passant, quoi. Off, c'est chill. Merci Xav. Le problème de ces conneries, c'est que je chope des trucs donc j'ai pas. L'extract la plus proche serait où le mieux, les gars? J'ai pas envie de cross ça, quoi. Ouais, ok, putain, ils sont 3000 là-bas. Moi, j'ai envie d'aller là-bas au parking, quoi. J'ai pas envie de traverser les raiders. J'ai trop peur de me prendre une balle perdue. Enfin, pas une balle perdue, mais. On va aller de l'autre côté, on va faire le grand tour. J'aurais pu les tuer, genre ils étaient trois, c'était pas... J'ai l'impression que c'était pas un enfer. Mais j'ai juste trop peur de me faire péter par un gars que j'ai pas vu et c'est trop con de perdre du cash comme ça alors qu'on est bien. Normal les gars. Vous êtes sérieux et là je suis enfermé quoi. Bon bah let's dance quoi. Vous êtes prêts à piquer des raiders sur la gauche là? Bon bah ils sont 300. Ils sont partis loin. J'ai envie de grenader mais j'ai peur qu'il me pousse à ce moment-là. Ça se passe, ça se passe. On régène pas trop mais ça va. Je pourrais aller looter le type du fond mais j'ai tellement plus de place qu'on s'en fout quoi. Je pense qu'on peut faire mieux, non? Takedown, je peux le mettre dans l'attaque? Mais non. Ce serait une folie, ça.
Avec, attends, le takedown, je vais le mettre dans l'attaque. Donc je vais faire ça, 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 ça. C'est bon là ? Ça semble bien. Hein, il nous reste plein de place du coup. Pour faire ça. Bon, on peut y aller. Hein. On a fait un tour de passe-passe avec le takedown. Là, c'était beau quoi. Merci pour le conseil. Allez. Ouais, on aurait pu éviter les raiders du fond, mais de nouveau, on n'a pas besoin d'abuser plus que ça. Du cash, c'est mieux que risquer de mourir sur une connerie, quoi. On a fait 10k XP. On a juste tué le Tac-Tac et quelques raiders. On avait clairement pas assez de balles avec nous, hein. Ouais, 10k XP, ça faisait plaisir. 10k XP, ça fait plaisir. On va aussi faire un petit tour de loot. Ça, on a eu le Bitcoin, le GP, une roller, deux rollers, des guns, des mods. Et ouais, des trucs dans tous les sens, quoi. Je sais pas si on peut faire une meilleure photo que ça, quoi. Est-ce que vous êtes prêts pour une heure de rangement, les gars? Non. Vous pouvez dire bonjour à YouTube si vous voulez, les gars. Dites bonjour à YouTube. Allez-y.